I wear a skull cap like a 90s era. Big man, you're making a schoolboy era. Step out just to start causing terror. The techno bass out the pan. Wouh, quel soleil! Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, là, je me prépare pour partir en Martinique. Donc, j'ai décidé de vous filmer ce petit vlog. Enfin, je vais faire de mon mieux parce que c'est quand même la première fois que je fais un vlog. Du coup, voilà. Donc, là, il est 7h26. Je viens d'arriver à l'aéroport. On a le check-in à 8h45. Donc, ça me laisse le temps large d'arriver à l'aéroport. J'ai pas de bagages à enregistrer. Donc, ça va aller très rapidement. Voili voilou. On se retrouve sûrement en Martinique. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Regardez-moi cette beauté. Ouh là là, ça va? Il est 16h à Paris, il est grave 22h. Franchement, pour le coup, je suis même pas fatiguée. Et le vol, il s'est super bien passé. Là, je vais prendre une petite douche. Le temps, c'est à dire là. En fait, il fait chaud. Bah, normal, il fait chaud, mais il y a grave des nuages. On a l'impression qu'il va pleuvoir et tout. Bon, j'espère pas qu'il va pleuvoir. Donc voilà, j'ai des copines qui arrivent. Voili voilou, je sais pas trop ce qu'on va faire, on n'a pas encore défini le programme de la soirée. Il y a le couvre-feu à 23h comme à Paris. Go prendre ma douche parce que, oula, j'ai vraiment pas la même tête que ce matin. Gete yaki! Gete yaki! Ah! Gete yaki encore! Wesh! Cours! Cours! Gete yaki! C'est pas lui, wesh! Ah! Wesh! Pars en Martinique. Wesh. Wesh. Qu'est-ce que t'as? Regarde comment t'as brossé ma gueule, wesh. C'est parti. On va où déjà? On va où déjà? On va manger. Voilà. Et après. Il y a les copines derrière. On va se baigner au bord de la plage. On va profiter un peu du soleil parce que Askip, le soleil, il se couche tôt. J'attendais Annie. Non, là on est au restaurant. On sait jamais ce qu'on fait en fait. Au restaurant, on est dans un petit restaurant local. Les gravières, la montagne, voilà. On sirote nos petits cocktails. Des voleurs. Non, mais si tu mets devant, je suis dans des endroits un peu chauds, je m'en ai mis. Bah oui, moi aussi je ferais pareil. Des voleurs.
Attends, elle est en train de, t'es en train de filmer et tu vas entendre ta voix comme t'as dit ça. Mais j'ai choqué, bah des boulards. Excusez-moi, c'est vous, ah, Chloé ? C'est vous qui m'a du jet lag ? Non, pour l'instant, ça va, moi. Lala, on va aller en soirée. Moi, j'ai envie d'aller dormir parce que... Aller, non, je vous avoue que... C'est Martinique. Attends, là, à Paris, il est 2h du matin. Ici, il est 20h. Moi, je suis fatiguée parce que j'ai toujours pas dormi. J'ai travaillé. Maintenant, elle, là... Hey, on va aller. Elle, là. Regardez, regardez. On va aller seulement. Elle, là. Elle veut m'insta à sortir. On va sortir, on va. C'est à dire le sommeil. FDF, Port de France. On va. Hey, c'est pas, je vais rentrer. Et je vais prendre une douche. Arrête ça. Je vais dormir. A few moments later. Bon. Vogue, mon chef. Elle a dit, elle partait pas. Elle a dit, ouais, finalement, moi, je viens. Vas-y, viens, Annie, on part. C'est n'importe quoi. Ce vlog, ça, ce vlog, il est en train de partir en cacahuète. Là, on y go. On a fait 2 minutes. On est jeudi matin, il est 7h45, on est rentré tard, on a dormi à minuit. Bon, la soirée n'était pas fameuse comme vous l'avez vu. Voilà, je vais aller au petit déjeuner vers 8h30. J'ai pas trop l'impression de subir le décalage horaire étant donné que j'étais super fatiguée hier. Donc voilà. Aujourd'hui, apparemment, il va pleuvoir toute la journée. Même là, il fait pas très très beau. Bon, après, la température, elle est toujours là au rendez-vous. Mais voilà, je pense qu'on a prévu d'aller voir les tortues. Et on fera au feeling en fonction de ce qu'on a envie de faire. Le mail en scooter. Le mail en scooter. Bon, Finalement, on a décidé d'aller voir les tortues au Hans Darlet, même si le temps n'est pas propice à aller à la plage. Et bien, on va y aller quand même parce que sinon, on n'a rien à faire. Et vu qu'on part demain, et bien voilà, flemme de rester dans la chambre toute la journée. Le pneu, il a plat. Voilà. À chaque fois qu'on est avec toi, Annie, mission, écris un livre, ma soeur. Toujours Annie, mission. On est d'accord, c'est rare. Voilà. À deux doigts de dire que c'est ma faute là. En plus, il y a des bêtes bizarres là. Regardez, il y a trois. Ouais. Notre sauveur. Ah, on l'a trouvé en 2 minutes. Non mais en fait, à la base, on était parti pour voir s'il y avait des gens. Geneva, elle a vu pneu service, on a commencé à courir. Que Dieu vous bénisse. Hein. Moi, je tiens juste à dire quand même que les Martiniquais sont des gens géniaux. Génial. Thank you.
4h30, Geneva, elle a reçu un appel. Il y a 40 minutes, même pas. De qui déjà? De Marcel. Bref, elle a reçu un appel. Et donc, apparemment, il y aurait une soirée. J'espère mieux que celle d'hier. Donc voilà, donc on s'est préparé. On ressemble un peu à quelque chose. Il n'y avait pas de soirée, oui. Hier, il n'y avait pas de soirée. Hier, c'était un flop total. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ce sera un petit peu mieux. Olivolou. J'avoue que j'ai pas trop vlogué vers la fin parce que j'étais vraiment fatiguée. Ce matin, on a rien fait. Je suis partie au petit déjeuner et je me suis reposée parce que mon vol, il est dans 5 heures. On part de l'hôtel dans 2 heures. Donc là, je vais aller me préparer. Et voilà. I'm ready to go. Je suis un petit peu en avance. Le pick-up, il est à 17h25. Il est actuellement 16h53. Donc voilà. Donc je suis un petit peu en avance. Je vais me poser. Je vais attendre un petit peu avant d'y aller parce qu'il fait quand même hyper chaud dehors. Donc il ne s'agirait pas de commencer à transpirer maintenant. On a le temps pour ça. Je vous montre un peu la vue. Sur ce, on se retrouve à Paris, à la maison, pour clôturer un petit peu ce petit vlog escale et tralala, petits pépins qui se sont passés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Finally back home. Enfin rentré à la maison. Le vol il a été tout simplement fatigant, si ce n'est pas dire épuisant. Voilà, je suis rentrée, j'ai pas encore dormi. Là il est 17h. Je vais aller à Primark. Et comme ça au moins ce soir je pourrai dormir bien bien. Et voilà voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner surtout, et lâchez aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé quand même. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard. Mouah !